السلام عليكم، غادي نبداو ان شاء الله ان سيري دي لايف في كلك مودول في لا ماتيير ديال ايكونومي جينيرال في البروغرام ديال البكالوريا، في كلك مودول في اس 2، كلك مودول في اس 4، وكلك مودول ان شاء الله في اس 6. الو غادي نخلي لي مينوت قبل ما نبداو اللايف باش تقدروا تبارطاجيو لا فيديو وتاغيو لي زامي ديالكم ان شاء الله باش يتبعوا معنا. هاد لا بروميير فيديو لايف سور لا ميكرو ايكونومي اس 2. Donc, on va normalement des séries ou une série de vidéos pour le module. Donc, on va normalement des séances pour la séance faire un chapitre de cours. Les on fait des applications. En même temps, on va faire un petit rappel de cours. D'ailleurs, on a déjà fait un travail à la fac. Donc, on va faire un travail à la fac. ندير معكم دي لايف نتبع معكم في كل يعني في شاك سيبان ندير لايف يعني ان سيونس في ان موديل ان شاء الله. ديجا اليوم غادي تكون دابا لا سيونس ديال لا ميكرو ايكونومي اس 2، موراها غادي تكون ان سيونس ديال ليكونومي مونيتير اس 4، اي اونسويت غادي تكون ان سيونس ديال ليكونومي اندستريال اس 6. Donc, vous partager ma vidéo, l'attaquer les amis d'Yakou, je commence dans le cours de la microéconomie S2. Alors, en général, la microéconomie fait partie de la science économique. Dans l'économie, en général, on parle de la science économique. Il y a deux volets. Il y a un volet qui s'intéresse à la microéconomie et un volet qui s'intéresse à la macroéconomie. La microéconomie, normalement, elle parle d'assaut les agents économiques d'une manière individuelle. Car nous avons fait une analyse de l'économie d'Yana, mais au niveau individuel. Et quand je fais les agents économiques, les individus qui ont l'espace ou le territoire économique, ou quand nous avons fait ça d'une manière individuelle. Nous, en général, dans la microéconomie ou l'économie, nous classons les agents économiques en deux catégories. Nous avons une catégorie qui est les consommateurs ou une catégorie qui est les producteurs. Donc, la microéconomie, je vais dire que nous avons fait ça. Le comportement de chaque agent économique. Donc l'analyse du comportement de consommateur, quel est le consommateur qui fait le choix optimal dialogue, qui fait la décision économique dialogue sur le marché, ou quel est par la suite le comportement de producteur, quel est le producteur qui fait la réaction dialogue vis-à-vis du marché, qui fait le choix optimal dialogue, qui fait l'exploitation du facteur de production, qui fait la production optimale dialogue. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? L'analyse des structures de marché. Alors, elle chiffre la partie de la microéconomie. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? L'analyse des structures de marché. Donc, généralement, qu'est-ce qu'il faut ? C'est un comportement de chaque agent économique. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Mais qu'il n'y a pas le marché, les consommateurs, mais les producteurs, qui fait qu'il faut un équilibre sur le marché, qui fait qu'il faut la rencontre sur le marché, ou qui fait qu'il faut la rencontre sur le marché, qu'est-ce qu'il faut ? Elle est la structure de marché. Généralement, c'est le programme de la microéconomie, les facultés faculté fondamentales, qui ont normalement l'analyse du marché de concurrence pour le parfait et l'analyse du marché de monopole. Sinon, la partie de la science économique qui s'intéresse à la macroéconomie, normalement, la macroéconomie, l'analyse de l'économie d'Yana au niveau national, donc au niveau agrégé, quand on a les agrégats de la comptabilité nationale. ماشي بحال لا ميكروإيكونومي كندرسو ليكونومي ديالنا دي مانيير انديفيدويال، مي في لا ماكروإيكونومي كندرسو ليكونومي ديالنا أو نيفو ناسيونال أو نيفو جلوبال. ألوغ إن شاء الله غادي نحاول في لي مودول لي عندكم ما بين إس 2 إس 4 إس 6، غادي نحاول نورمالمون ندير دي لايف في لي فيديو لي أنا لي كنقريهم ولا لي كنميتريزي لي داخلين في لو شون دو كومبيتونس، في كو جو سوي دكتوران أو ماناجمنت فينانسي. Donc les modules les concrets ou les modules les chantiers à venir faire du cours ou des séances live, radicalement S2 radicalement la microéconomie inshallah et la macroéconomie, S4 inshallah l'économie monétaire et l'analyse financière,
Et ainsi, Inch'Allah, on des lives, l'économie industrielle et relations économiques internationales. Alors, c'est bon, on va d'abord le chapitre la microéconomie, le programme d'IALA, en général, il fait trois chapitres. Un chapitre de comportement de consommateur, chapitre de comportement de producteur et chapitre de l'analyse du marché et la concurrence pure et parfaite et le monopole. Généralement, les professeurs qui facultent, à la salle, tous les professeurs, je me kiffe. Qui est des professeurs qui kiffent le programme d'IALAS 1 qui fait le comportement de consommateur et le comportement de producteur ou qui fait les marchés qui fait l'IALAS 2 les facultés ou la faculté de Suisse et Rabat ou la d'autres facultés de FASA qui est l'équipement du programme qui est l'équipement programme par rapport à l'IALAS des facultés de Mgrib Kamel et l'IALAS des professeurs qui l'ont acheté. Qu'il y a d'autres professeurs, les choses qui font la microéconomie S1 qui font le chapitre le comportement du consommateur ou qui font le comportement du producteur et le comportement et l'analyse des marchés. Et le producteur ou l'analyse des marchés qui font le S2 par la faculté d'Agdal Farba, tout ça, d'autres facultés, et il y a quelques professeurs qui font directement le programme. Donc pour cette raison, on va essayer de faire les lives. Le chapitre des producteurs, parce que comme ça, tous les étudiants qui ont un chapitre concerné la microéconomie 2, ils ont un micro et ils ont un. Alors, la méthodologie qui est la l'examen. Mais en même temps, غادي نخدم معاكم ندير دي رابيل دو كور يعني في كل نيفو ولا في كل حاجه كنخدمها في ليكزرسيس غادي نبقى ندير دي رابيل دو كور باش كومسا تفهموا معايا اون ميم طون لو كور يعني تفهموا لو موديل اون ميم طون تعرفوا لا بارتي براتيك اللي هي لي زيكزرسيس. دونك جو كوا لا فيديو دونك خدامه مزيان كتسمعوني مزيان جو بونس. Alors c'est bon, je crois que tu m'as dit. Il y a des commentaires, il y a quelque chose déjà que tu m'as dit, la vidéo, ça fait radio parfaite, mais qu'est-ce que je veux. Donc il y a des commentaires, mais comme ça, là, ça fait le double chapitre d'Yana, l'analyse du comportement du producteur. Donc c'est bon. Dans le chapitre de l'analyse du comportement du producteur, l'analyse du comportement du producteur, allez, je fais une application, et la première application, parmi d'autres applications, diront les séances prochaines, le producteur. Qui va se là l'analyse du comportement du producteur. Et là, les cadres de la microéconomie de producteur, le producteur préserve le consommateur. Et ne pas que le producteur, il est qu'il n'a pas riche, il y a les concepts de base, les connexions, l'analyse du comportement du consommateur, il faut donner observer le producteur. Parce que c'est le hasard qui est le réel. D'abord, il y a le producteur. Il a donné la logique du producteur, je veux dire, qui est l'exploitation de ce qu'on appelle les facteurs de production. Donc, l'adawat, il y a des recherches qui servent, qui est l'exploitation. Mais chez le consommateur, le consommateur, normalement, qui dit l'utilisation ou qui dit la consommation des quantités de X et Y, qui dit la consommation de deux biens. Là, généralement, on expose le consommateur à un choix entre deux biens, X et Y. Aucun chouchou qui veut qu'il y ait le choix optimal. Qui fait qu'on a une droite de la contrainte budgétaire et une droite de budget à ne pas dépasser. Qui veut qu'il s'aime d'une manière rationnelle, d'une manière optimale, veut qu'il y ait le choix optimal. Il y a un choix X ou un choix Y. هذا هو البروغرام ديال البروبليم دو كونسوماتور. حنا دابا في البروديكتور كنشوفو كيفاش كيستعمل لي فاكتور دو برودكسيون. عندنا جينيرالمون لو فاكتور كابيتال اي لي فاكتور اي لو فاكتور ترافا. جينيرالمون لو برودكتور كيستعمل دو فاكتور دو برودكسيون. عندنا لو فاكتور كابيتال اي لو فاكتور ترافا. عندنا هذا.
on a le producteur qui est l'exploitation du facteur de production. Alors, on a le facteur capital désigné par K et le facteur travail désigné par L. Les deux facteurs, ils forment le coût total. Qu'est-ce le coût total? Mais quand ça met les facteurs de production, qu'est-ce qu'on appelle le coût total? C'est le fait d'être une charge. Donc, le producteur, je vais dire, qui est l'exploitation, qui est ce qu'on appelle la transformation. Qui s'amène à des facteurs de production, parce qu'il y a la transformation, parce qu'il y a sous forme de production. D'abord, parce que le chimien, je ne connais pas le réussissement, parce que le chimien, c'est le chimien. Parce que le chimien, c'est 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 le facteur capital, c'est le chimien, c'est le chimien, c'est le chimien, c'est le chimien, la production vient. فلول من يلا كان البروديكتور كيبغي يبدا يعني لا برودكسيون ديالو كيخصو واحد لوكال كيخصو دي ماشين ايتترا دونك هادو نورمالمون ديزيني بار لو فاكتور كابيتال يعني خصو واحد الكابيتال باش يشري دي ماشين باش يقدر يدير لا برودكسيون دونك جينيرالمون حنا كنرجعوها يعني كنقولو ديزيني سيرتو لا بارتي دي ماشين يعني دوك لي ماشين اللي كيخدم بهم في لا برودكسيون ها هو هاد لو برودكتور عنده لي ماشين ما يقدرش يديماري لاكتيفيتي ديالو علاش حيت خاصو نورمالمون لا مان دوف خاصو لي طرافايور لي غادي يخدمو في هاد لي ماشين كي فون اوكوبي لي ماشين ديالنا اذا الا كان عندنا غير فاكتور كابيتال ما نقدروش ندير لا برودكسيون دونك خاصنا حاجه اخرى اللي هي فاكتور طراف دونك كنزيدو لي فاكتور طراف اللي هما لي طرافايور لي سالاري يعني لا مان دوف اللي كتكون عندنا باش كنديرو لا برودكسيون اذا هنا محتاجين دو فاكتور انديسبونسابل باش نقدروا نديرو لا برودكسيون ديالنا فاكتور كابيتال اي فاكتور طراف Donc, il y a ce qu'on appelle la transformation, parce qu'on va avoir sous forme d'une production, car j'ai un produit fini. Donc, un simple des facteurs de production, parce qu'on va avoir un produit fini. D'abord, il y a un autre objectif de la microéconomie. Vous entendez sur le producteur qui va faire le choix optimal, qui va aider la gestion ou l'exploitation des facteurs de production. Un producteur qui connaît le mouchkil, moi, je sais pas si c'est le facteur capital ou le facteur travail. واش خاصو يستعمل 10 ديال لي ماشين مع 5 ديال لي طرافايور ولا 10 ديال لي ماشين مع 20 طرافايور ولا مثلا 15 ماشين مع 10 ديال لي طرافايور ايتترا عنده بليزيون كومبينيزون لي مو بوسيبل وخاصو يختار شنو هي لا كومبينيزون ما بين هاد لي فاكتور لي غتعطيه لو شوا اوبتيمال هاد لو شوا اوبتيمال شنو هو لوبجيكتيف دو بروديكتور سي لا ماكسيميزاسيون دو بروفي الكونسوماتور كيكون لوبجيكتيف ديالو لا ماكسيميزاسيون دي كوليتي Le producteur qui prend l'objectif bien, la maximisation de profit. Alors qu'il chauffe, qu'il fait chier dans la combinaison optimale, il fait chier la maximisation de profit. Il fait chier là, il y a un accès à l'arbre bien. Il y a un niveau, il y a la combinaison. Je pense que c'est un cas où il fait chier dans le niveau optimal, ou la maximisation, il y a un accès à l'arbre. Donc il y a ce qu'on appelle la production, la quantité qui maximise le profit. دابا فهمنا اون جينيرال بدا الكونسيبت ديال لو بروغرام دو بروديكتور دابا غادي نشوفو لابليكاسيون هاد لابليكاسيون نورمالمون غادي تبقى معايا غادي تاخد دي نوت سيرتو الكالكول يعني تقدرو تاخدو معايا اون ميم طون دابا دي هادا تاخدو دي نوت سيرتو في لابارتي ديال الكالكول اما الا كان دي ديفينيسيون اتسيتيرا انا باش نربح الوقت غادي نشرح ليكم مي باغ لا سويت غادي نعطيكم لو كوريجي يعني لو كوريجي غيكون قريب ان شاء الله باش نعطيهم ليكم باش نربح الوقت Alors, d'abord, il y a une application pour le producteur. Application, soit une fonction de production suivante, il y a la fonction de production. D'abord, la production vient là, et qui dira le producteur, qu'est-ce qu'on exprime par une fonction de production. Alors, la fonction de production, elle exprime la technologie de production. Qu'est-ce qu'il y a normalement, il y a plusieurs secteurs d'activité. Tout le secteur, à quel point, tout le secteur, il y a la fonction. اللي كتعبر على شحال كيفاش كيختار لو شوا اوبتيمال ديالو ما بين كا اي ان حنا اون جينيرال كتكون عندنا اكسبريمي باغ اون فونكسيون دو بروديكس يعني واحد الداله اللي كتكون عندنا اف اون فونكسيون دو ال كا دابا هنا كنظن لها سيرتو اف ماشي بحال الكونسوماتور عندنا لي فيتي كنظن لها بو هنا كنظن اون جينيرال يعني لي بروفيسور اون جينيرال كيخدمو بلا لتر اف دونك كنديرو لا فونكسيون اف بلا بروديكسيون La fonction f en fonction de l et k. Donc, je n'ai pas les variables qui déterminent la production d'Yana ou l et k. Il y a l'utilisation de l et k. Vous venez de comprendre que
يعني هذه هذا الاف اون فونكسيون دو ال كاب نقدر نوضو لي كالكول هي دونك لا كونتيتي برودوي دونك نشوفو في ليكزومبل عندنا 4 فوا ال ا بيسونس 1 سور 2 فوا ك ا لا بيسونس 1 سور 2 دونك 4 ال ا لا بيسونس 1 سور 2 فوا ك ا لا بيسونس 1 سور 2 دونك نورمالمون الى عرفنا هاد ال اي ك غادي نعوضوهم في هاد لا فونكسيون باش نعرفو لا كونتيتي برودوي باش نفهمو هادشي افير P de L, يعني prix de L, est égal à 10, prix de K est égal à 5, et le coût total est égal à 1000. C'est ce qui est donné, c'est lancé. Donc, on a dit quand même P de L, les mois de prix, les travailleurs, chaque chose soit des travailleurs, on a P de K, et les chaînes de prix, le capital, les machines, etc. Le prix de L, non? Donc, unitaire, le prix de K est égal à 5, on a le coût total. Le fois, les morceaux qui font le producteur, parce que le producteur il connaît tout la contrainte. Par la contrainte du budget pour le consommateur, qui se met le coût total, c'est le fait de l'image. Pour le producteur, pour l'entreprise qui connaît tout le coût à ne pas dépasser. Donc, là, fait l'exercice, le coût total est égal à 1000. Donc, c'est bon, je vous donne les questions. La première question, définir l'isoco. Maintenant, ce qu'on appelle l'isoco, c'est la approche que nous avons. L'isoco est déterminé son équation, donc l'équation de l'isoco. La question 2, calculer les productivités marginales de L, productivité marginale de K, productivité moyenne de L et productivité moyenne de 2K. La question 3, déterminer le choix optimal du producteur. Donc, on a déjà fait le choix optimal et l'objectif bien là. On a fait le choix optimal dès qu'il est désigné par L étoile et K étoile. Parce qu'on a fait le choix optimal et la situation optimale, on a fait le producteur de K ou de L. La question 4, déduire le niveau de production optimal. La question 5, définir les œufs comptes. On a fait ce qu'on appelle les œufs comptes, donc nous avons fait le choix. Et la question 6, représenter graphiquement les œufs comptes. C'est bon? Alors, on a l'exercice. C'est bon, on a l'exercice. La première question est de définir l'isoco et déterminer son équation. Je vais vous faire un mot de chiffre pour que vous puissiez vous faire un mot de chiffre. Vous avez un mot de chiffre pour le consommateur. Le consommateur, c'est la logique qui est un consommateur. Créer la ligne qui est là pour le producteur. Le consommateur a ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Et la contrainte du budget. Le consommateur qui connaît donc, la contrainte budgétaire, il y a le revenu. Mais ce n'est pas la contrainte budgétaire pour le producteur. Ou le coût total. La contrainte budgétaire liée au consommateur, c'est le producteur l'isoco. La contrainte budgétaire liée au producteur, c'est tout simplement l'isoco. Ou la représentation graphique qui est là, c'est simplement l'isoco. Donc, il y a normalement la contrainte budgétaire liée au producteur, mais maintenant, pas que c'est la contrainte budgétaire liée au consommateur, c'est simplement soit la contrainte de coût ou la l'isoco. C'est bon? Donc, la contrainte ou la l'isoco exprime la contrainte de budget que le producteur ne doit pas dépasser dans sa production. Donc, normalement, on a ou le budget. هو لو كو توتال تبلو فاللي كتكون عند البروديكتور اللي ما خصوش يديباسي غادي يكون عندنا واحد البيجي ما خصوش يفوت دابا نشوفو لا ديتيرميناسيون دو ليكواسيون شناهي بعدا ليكسبريسيون غنعرفو شناهي ليكسبريسيون دو ليزوكو ليزوكو دونك ليكسبريسيون ماتيماتيك ديالها سي كو توتال ايتيغال ال فوا بي دو ال هنا واحد الحاجة مهمة P de L اللي كيدير ليها W أنا باش P de L باش هكا ساهل كاين لي بروفيسور اللي كيخدمو W يعني W كتكون عندنا هي P de L W كتكون هو لو بخي دو سالير هو لو بخي دو ترافاي دو فاكتور ترافاي مي حنا اون جينيرال بور فيغ سامبل باش كاع لي ستوديون يقدرو يتبعو فاسيلمون دونك غادي نديرو لها P de L بلوس K فوا P de K دونك هادي نورمالمون سي ليكسبرسيون دو l'isoco. Maintenant, faire comme une expression de l'isoco et l'équation de l'isoco. L'équation en général, dis-moi qui est maintenant, elle est mathématique. Il est maintenant avec l'expression mathématique, elle n'a deux variables. En général, il est maintenant deux variables. Mais les cas de l'équation, quand on a une variable, il faut déterminer une variable en fonction de. Il est maintenant
quand j'ai deux Y, on dégage Y en fonction de X. Normalement, quand j'ai deux K en fonction de L. Normalement, un contrôle, je dois être M en fonction de K. Mais on a l'habitude de travailler avec K. Mais les gars, on a l'équation de l'isobo quand j'ai deux K en fonction de L. Donc, on a l'équation, on a l'expression mathématique, on a deux K en fonction de L. Alors, si on a des zéros, on a K, P de K. Donc, on va mettre à gauche L. Là, on va mettre un coût total, on a L, P de L. Alors, on va L, P de L, un coût total. Donc, on a un plus, on a le moins. Donc, le coût total, moins L, P de L. On a un coût total, K. Donc, normalement, on a un P de K. Donc, si on a des zéros, on a une zéro. Donc, il y a un K est égal au total sur P de K. On a deux éléments, moins L, P de L, sur P de L. Donc, c'est bon. D'abord, on va se mettre dans l'équation, de l'isobo. L'équation de l'isobo. C'est bon? Donc, prenez note. Donc, maintenant, l'expression de l'isobo, coût total est égal à L, P de L plus K fois P de K. Et l'équation de l'isobo, K est égal, donc on a déterminé, on a dégagé K en fonction de L. Donc, je donne K, K est égal au total sur P de K moins L fois P de L sur P de L. Donc, il y a l'équation de l'isobo. C'est bon. Donc, je fais d'abord la question 2. La question 2, calculer les productivités marginales de L, la productivité marginale de K, la productivité moyenne de L et la productivité moyenne de K. Donc, j'y passe. Alors, on lit la largeur d'abord le live, et l'intercoupe le live. Parce que ça, il y a des séances, il y a la microéconomie, puisque d'autres sont maintenant, la microéconomie 2. En général, les professeurs, les facultés, les équipes de Kélir, et quand on a eu un mot le producteur, ou voilà, on a eu le producteur, alors on a eu le producteur, parce qu'il nous a dit les professeurs, les équipes de la microéconomie 2, qui font le producteur, aide par la suite, qui font l'analyse des structures de marché. Donc, on a fait les séances de l'origine, on a dit que le producteur, aide par la suite, on a dit que nous, on a dit que nous, la structure ou les structures, l'équilibre des différentes structures de marché, la concurrence pure et parfaite et le monopole, etc. Donc, là, l'exercice a des applications sur l'analyse du comportement de producteur. On met les données, f, la fonction de production, k fois l à la puissance 1 sur 2 fois k à la puissance 1 sur 2, avec p de l, prix de l est égal à 10, prix de k est égal à 5, taux total est égal à 1000. Et les questions maintenant, la première question, donc tout le monde a les questions. Redemain d'abord la première question, définir l'isobo et déterminer son équation. D'abord, la question 2, calculer les productivités marginales de L, productivité marginale de K, productivité moyenne de L, productivité marginale moyenne de K. La tête, on va les formules. Les formules, la productivité marginale de L, qu'est-ce que ça veut dire? La productivité marginale des chiffres consommateurs. Alors maintenant, la productivité marginale de L, elle est la dérivée de la fonction par rapport à L. Dérivée, je ne vais pas dire l'écriture mathématique, je ne vais pas dire NF en fonction de L, dérivée, prime, par rapport à L. Donc dérivée de la fonction de production par rapport à L. Sinon, la productivité marginale de L, sinon, parce qu'on peut donner ce bonhomme en même temps. Donc la productivité marginale de L est égale dérivée de F par rapport à L et la productivité marginale de K tout simplement dérivée par rapport à K. Dérivée de la fonction de production par rapport à K. C'est bon? Alors d'abord, on va dire l'application à l'exercice d'hier. Parce que c'est pour la productivité marginale. Si nous avons pour la productivité marginale, toujours le marginal est plus élevé. Parce que par exemple, la microéconomie dit ou les notions de base qui cherchent d'autres modèles, comme l'économie industrielle, etc. Donc il y a des notions de base qui font des modèles.
المارجينال اي فاريابل كنهضر على المارجينال دونك كنبغي نشوف لا كونتيتي سيبليمونتير ديما ملي كنقول المارجينال دونك سا فو دير لا كونتيتي ولا ديك لا فارياسيون اللي كانت عندنا مارجينال اللي تزادت بحال دابا عندنا في لو كومبورتمون دي كونسوماتور دي بويتي مارجينال كنقول الى زدت اونيتي وحده ديما كنرجعوا للريزونمون ديال اونيتي كنقول الى زدت اونيتي وحده من اكس يعني درت لا كونسوماسيون ديال اونيتي سيبليمونتير كنقول شحال غادي تزيد الكونسوماتور من نيفو دي فليتر يعني غير داك السيبليمون اللي غادي تزاد نفس الحاجه في البروديكتور كنقول انا الى زدت ترافايور واحد شحال غادي يزيد في لونتربريز شحال غادي يزيد في الانتاج ديالها الى كنت كتنتج مثلا 1000 يونيتي الى زدنا ترافايور ولا عندنا 1000 وعشرين دونك راه البروديكتيفيتي مارجينال ديال الترافاي هو 20 يعني داك الترافايور سيبليمونتير اللي زدنا زاد لينا 20 يونيتي في البرودكسيون ديالنا دونك هذا هو لو كونسيبت ديال لا برودكتيفيتي مارجينال غير هنا كنشوفو الى تزاد ترافايور هنا كنشوفو الى تزاد اون ماشين ولا تزاد فاكتور كابيتال يعني ملي كتزاد فاكتور كابيتال زدنا اون ماشين كنبغيو نشوفو شحال زاد لينا في لا برودكسيون ديالنا دونك غير داك السيبليمون اللي كاين في لا برودكسيون ديالنا دونك هذا اون جينيرال بعدا باش نفهمو هاد لي برودكتيفيتي مارجينال دونك دابا نديرو لابليكاسيون عندنا ديريفي دونك لا فونكسيون دو برودكسيون هي 4 fois L à la puissance 1 sur 2, fois K à la puissance 1 sur 2, donc dérivé prime par rapport à L. Alors, je vois, là, on a dit qu'on simplifie le Z, parce que c'est l'énorme des lacunes, les mathématiques, ou l'énorme des problèmes de calcul, et on a dit qu'on 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 par rapport à quelle variable parce que normalement on a la fonction on a la possibilité d'avoir plusieurs variables soit d'avoir la variable L donc on peut considérer L comme étant une variable et on peut considérer K comme étant une variable mais que j'ai besoin d'ajouter des variables car ça brûle il y a la possibilité d'avoir deux variables donc il y a une donc mais les gars vont dire la dérivée c'est bien par rapport à quelle variable ou par rapport à L ou par rapport à K donc là maintenant à fond on a des fois dérivée par rapport à L donc la variable est là هي L دونك هاي شوف اللي نديرو بور فيغ سامبل عندنا L هي لا فاريابل وهنا عندنا لا ملتيبليكاسيون بيناتهم هادو دوطخ إليمون اللي خاصنا نفهمو أننا ملي كتكون عندنا L باغ إكزومبل فاريابل دونك لي زيليمون كاملين اللي بقاو سو سون كونسيديري كوم إيتون دي كونستانت راه خاصنا نشوفو باش نديرو الفاطمة ديال الباك حيتاش البروغرام ديال البكالوريا كنخدمو الأغلبية ديال الأحيان كنخدمو غير بإكس يعني كتكون عندنا أصلا في لا فونكسيون غير إكس يعني كيكون في لا فونكسيون غير فاريابل وكيبقى عندنا ارقام كتكون عندنا مثلا جوج اكس اكسيتيرا كيبقى عندنا اخرى كاملين ارقام دونك خاصنا ما نغلطوش ان الارقام هما لي كونستون راه عندنا حتى هاد لي زيليمون كا ولا ايغريل اكسيتيرا راه حتى هما ممكن يتعتبروا دي كونستون علاش حيت انا كنقول ديريفي بارابور اون سول فاريابل على فاريابل ال دونك لي زيليمون اللي بقى عندي كاملين سي سون كونسيديري كوم ايتون دي كونستون هاد كا بحال هاد دونك عندنا كا هادي كونستون وعندنا كا كونستون هادي اسهل طريقه باش انا كنت تخدمو لي ديريفي صافي دونك عندنا كا كونستون اللي بغيت ندير ديريفي بارابور على شنو كندير انا ملي كتكون عندنا لا ميتيبليكاسيون ملي كيكون عندنا اكس فوا لا كونستون شنو كيكون عندنا هادو دي هابي ملي كتكون عندنا اون جينيرال لا فاريابل اكس فوا لا كونستون شنو كيبقى عندنا في لا ديريفي كتبقى عندنا لا كونستون صافي ملي كتكون عندنا باغ اكزومبل اكس على بيسانس ان فوا لا كونستون توجور ملي كتكون عندنا اكس فوا لا كونستون بعدا لا كونستون ديما كتبقى اذا كنكتب لا كونستون هي كتبقى عندي لا كونستون عاد هنا حطاش اكس على بيسانس ان هنا ما فيهاش على بيسانس ان دونك مشات اكس هي واحد كتبقى عندنا واحد فوا لا كونستون هي لا كونستون هنا اكس على بيسانس ان يعني كتبقى عندنا توجور لا كونستون فوا ان فوا اكس على بيسانس ان هنا دونك هادي هاد المابيل ديال الديريفي هو اللي غادي نتقدمو به ديما في لا ميكرو ايكونومي حيتاش لا ميكرو ايكونومي ما عندناش شي حاجه صعيبه بزاف لي ماتيماتيك غي يعني دي بري روكول في لي مات باش نقدرو نخدمو هاد لي ديريفي دونك اون جينيرال ملي كتكون عندنا اكس على بيسانس ان يعني لا فاريابل اكس على بيسانس ان فوا لا كونستون كتساوي لا كونستون دونك خاطر نركز انا ديما كنكتب لا كونستون ملي كتكون عندنا لا ميتيبليكاسيون اذا شنو غادي ندير تو سامبلومون نمشي نكتب لا كونستون 4 وعندنا 4 à la puissance 1 sur 2. Donc c'est bon qu'il me rend. Je vais faire 1 fois n fois x à la puissance n moins 1. Et n, nous sommes à la puissance.
fois L à la puissance N égale 1 sur 2, moins 1. Donc c'est bon, on a peut-être la dérivée. Donc avec le réel, on a les dérivés. Au moins, on a un point de compagnon. Fait les fonctions bien. C'est bon. Alors, d'abord, maintenant, 4 fois 1 sur 2, 4 sur 2, ça fait 2. On a L, on a des matchs pratiques beaux. On a des problèmes de calcul, et après, c'est le rapport 1 sur 2 moins 1. On va noyer 1 sur 2, moins 2 sur 2, c'est le même match. Une idée pour 1, juge avec juge. Donc, on voit n'a plus juge, il y en a plus ou avec le juge. Alors, on va pratiquer tout le monde. Donc, L à la puissance 1 moins 1 sur 2, fois à la puissance 1 sur 2. Donc, c'est bon, d'abord, on a l'expression de la productivité marginale de L. D'abord, on a l'expression de la productivité marginale de L. C'est-à-dire l'expression de L. Il a à faire par la suite la valeur de K de L. Donc, on va remplacer parce que je vois la valeur du climat de la productivité marginale de L. Ça nous a dit, on l'a donné bien. On a la productivité marginale de L, l'équipe, on a calculé. On a dit, en général, qu'est-ce que l'expression de L. C'est bien de L. Voilà. Il a maintenant, par la suite, maintenant le choix optimal. Maintenant, le climat, la valeur de K et L. Il est maintenant à faire le climat de L dans l'exercice. On va dire remplacer, et bien dire la productivité de l'expression de L, le L. On va dire remplacer la valeur de L et la valeur de K. Bien, la valeur de la productivité marginale de L. C'est bon. Dès que nous sommes bien, on a fait le live de l'espace. On va voir que moi, le live, Inch'Allah, on va la séance de l'économie monétaire S4 et par la suite live sur l'économie industrielle S6. Donc c'est bon, je fais d'abord la productivité marginale de 2K. Donc la dérivée de 4L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2, dérivée par rapport à K. Donc on a chauffé d'abord et tout. La dérivée ou la variable, on se donne le K, il y a K. Et dans la variable, il y a un des cas, on a toujours ce sont des constantes. Donc, avec tu vois les constantes, toujours manipulées, 4 fois L à la puissance 1 sur 2, ou à des œufs d'abord de K à la puissance 1, nous devons être à la juge. Dès maintenant, sur la multiplication, parce qu'on peut d'abord qu'il se met à l'abord, mais donc on peut donner de l'ordre la multiplication. Fait alors, j'ai qu'on doit être à la juge là, j'ai qu'on doit être là. Et le chemin de serge, parce qu'on peut dire qu'on attend qu'elle est bonne à part près d'eux. Quand j'ai pris l'expérience, les étudiants ont l'expo là, vous êtes marrant qu'il y ait une salle ou une capsule. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps, quand vous souhaitez le jour, il y a un peu de temps. Donc, 4 sur 2, il y a 2, fois L à la puissance 1 sur 2, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, comme ça, après, il y a d'abord la productivité marginale de 2. C'est bon? Donc, elle a la productivité marginale de L et la productivité marginale de K. Il y a 2 fois L à la puissance 1 sur 2, fois K à la puissance moins 1 sur 2. C'est bon? Je fais d'abord la productivité moyenne. Alors, je fais d'abord la productivité moyenne de L et la productivité marginale de L. En moins les formules, mais surtout des notes, on a les formules de la productivité marginale de L, on a la formule de la productivité marginale de K. D'abord, je fais la formule, les productivités moyennes simples. Quand la formule est que la quantité F, F en fonction de N, K, quand c'est moins A, elle est L. Donc tout simplement la formule de la productivité moyenne. La moyenne, le concept, c'est-à-dire la moyenne, ou quand je fais le mu'addal. Quand je dis que j'ai la production de L unité, quand je dis par exemple, là, comme ça dit les marchés, ou là, comme ça dit les travailleurs. Il est quand comme ça dit les travailleurs. On va imaginer 100, la quantité produite est 100. Donc si on a 5 salariés, on va dire 20. Donc en moyenne, le mu'addal de la salariée, il y a 20 unités de la production de L. Donc, on a le moyen de la moyenne, on a le moyen. Je fais la production totale, qu'elle a, ce moment-là, dès la quantité de facteurs, soit facteur travail ou facteur capital. Donc, la productivité moyenne de K est égale F, LK, dérivé, ou la F, je vais essayer de dériver, pardon. Donc, F, LK, ce moment-là, elle a quand même, n'est-ce pas le dérivé.
de les former. Donc, il calcule les salaires. Calcule, non. La fonction de production, c'est K, K fois L, 4, pardon, 4 fois L à la puissance 1 sur 2, fois K à la puissance 1 sur 2, sur L. Je fais un arbre fragile et un minimum observe. Normalement, on a maintenant deux éléments. Maintenant, il faut le casser, qu'est-ce que le casser. On n'a pas de dérampage, mais comme ça, on va le casser, mais après, j'ai un problème avec le calcul. Et là, je vais juste la micro-économie. Maintenant, normalement, il est quand même x à la puissance n sur x à la puissance n. Il est obligé de me faire un des حق هذا اما جمع x جمع فوق فوق من الكسر ولا جمع تحت من الكسر اذا بغيت نجمعهم فوق من الكسر شنو كندير x à la puissance n moins n ما كندير باسي دونك كيبقى عندي مقسوم على x كيطلع بجوج كيجمع بجوج كيطلع عندنا x à la puissance n moins n ومن هذو دي رابير راه قريتهم قبل ولكن ماشي مشكل ندير دي رابير باش كومسا تعقلوا عليها sinon الى بغينا نجدو ولا بغينا نجمعهم تحت x à la puissance n sur x à la puissance n هذه شرطينا هنا واحد على x على la puissance n moins 1 donc toujours les candidats placés candidats la puissance n candidats moins c'est bon donc هنا عندنا الحق سواء نجمعهم من الفوق ولا نجمعهم من تحت باش تبقى عندنا ليكسبريسيون ساهله ونجمعهم من الفوق دونك شنو غادي ندير عندنا ك يعني حق دابا شكون عندنا بحال بحال عندنا ال ال عندنا الفوق عندنا تحت دونك غادي نديرو ك و ال à la puissance n, il y a 1 sur 2, moins la puissance n, il y a 1. On a l, donc il y a l à la puissance 1. Donc moins 1, fois k à la puissance 1 sur 2. Donc ça fait k, l à la puissance moins 1 sur 2, fois k à la puissance 1 sur 2. Fois qu'elle est le nombre soit, ou un nombre soit. Elle est juste. Donc tu vois, elle est l. Ça fait. Alors, il faut d'abord la productivité moyenne de K. La productivité moyenne de K. Donc, maintenant, 4 fois L à la puissance 1 sur 2, fois K à la puissance 1 sur 2, sur K. Donc, une fois, ça les je rappelle. Donc, nous, c'est là, on est le jour de K fois. Donc, 4 L à la puissance 1 sur 2, fois K à la puissance 1 sur 2, moins 1. Donc, 4 L à la puissance 1 sur 2, fois K à la puissance moins 1. Productivité moyenne de L et la productivité moyenne de V. Donc c'est bon, d'abord c'est là. Nous prenons l'expression qui est les productivités marginales de L et de K, productivité moyenne de L et de K. C'est bon. Pour passer à la question numéro 3, déterminer le choix optimal du producteur. Prenez j'y passe. La question 3. Je me trouve que je vais faire le choix optimal du producteur. Je vais faire L étoile et K étoile. Donc, je fais d'abord la question numéro 3. Je vais faire la question numéro 3. Le choix optimal. Parce qu'il y a des cadeaux, je vais faire le chapitre de l'analyse de comportement du producteur. Mais c'est pas le consommateur. Le consommateur a un seul programme de choix optimal. Le consommateur. Mais le choix ou l'analyse de comportement du producteur, on a généralement deux démarches différentes. On a deux programmes différents de choix optimal du producteur. Soit on a le programme avec la contrainte du coût total. Sinon, on a le programme avec la contrainte de production. Donc, on a juste des contraintes. Quand on a juste des contraintes, Donc, on a sa contrainte, il y a ta loi, c'est la forme de chacun. Faites le cas dans la contrainte, on est dit sur la contrainte, on dit l'application, la contrainte du coût total. Alors, je ne sais pas si vous l'énoncez, je l'ai donné à garder le coût total. Bah, c'est la même chose qu'on a bien les deux démarches. Tout simplement, je vous l'ai donné. Dans l'extrême ou dans la valeur de coût total, il s'agit de la contrainte de coût total. Dans la quantité, la valeur de la quantité produite, il s'agit de la contrainte de production totale. C'est bon? Alors, fin de cas, maintenant, le programme de producteur, la question 3, le programme de producteur.
producteur avec la contrainte du coût. Il est écrasé, le budget vient du producteur. C'est bon. Donc maintenant, généralement deux liens. La première ligne, on écrit la maximisation du profit. L'objectif gain, c'est la maximisation de profit. D'abord, la contrainte de l'aide, on a la contrainte de coût. Quand tu trouves la deuxième ligne, sous une contrainte de coût. Sous une contrainte de coût total. Alors, je mets la maximisation du profit. C'est d'abord très la démarche. C'est un peu long. Il y a un peu de maintenant, pour la maximisation du profit, on doit écrire productivité marginale de N sur productivité marginale de 2K. Est égal P de N sur P de 2K. Donc, un petit peu, on a l'équilibre, ou l'optimum, qui est le rapport de productivité marginale de N sur productivité marginale de K est égal P de N sur P de 2K. La contrainte de coût, donc il y a des coûts, donc la contrainte de coût, coût total est égal à N fois P de N. Plus K fort P de K. Donc, comme ça, il y a le programme de producteur, l'équipe, on a fait deux équations. Maintenant, on a fait le choix optimal. Alors, je vais vous dire que si on a fait le fort, on a fait le choix. Mais on a fait les deux équations. Sauf la productivité marginale de N, c'est un peu là. La productivité. Sinon, comme on a déjà fait, on a un à 0. Sinon, d'abord déjà, non, productivité marginale de L, maintenant, la question 2. Donc, il y a 2 fois L à la puissance moins 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2. Donc, la productivité marginale de K est égale 2 fois L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance moins 1 sur 2. Donc, maintenant, ça va déjà sauver. Donc, la productivité marginale de L, il y a 2 fois L à la puissance moins 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2 fois L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance moins 1 sur 2 est égal P de L est 9 qui est demandé. Donc on remplace P de L est égal 10 et P de K est égal 5. Maintenant le coût total, est égal 1000. Donc on remplace 1000 est égal P de L, parce qu'on remplace en affaire P de L. P de N et P de K. On remplace par les données qui vont maintenant. Donc on remplace, je vais maintenant P de N, donc 10 fois L, donc 10 fois L plus P de K, et 5, donc 5, 5 K. D'abord, il y aura tout ce qu'on dit. D'abord, la première, je vais faire comme les étapes. La première étape, je vais qu'on dit, donc explorer la démarche. Khazna, il faut que je vais la démarche de contrainte de coût, et la démarche de contrainte de production. Donc d'abord, dans la démarche de contrainte de coût, que ce soit dans la démarche, qu'on a des noms, qu'on a fait. Sinon, la deuxième étape, je vais dire. La deuxième étape, qu'on explique la productivité marginale, qu'on remplace, ou qu'on remplace par les prix. Le prix de L et le prix de K, et le coût total. Donc, je vais dire que la deuxième étape, on remplace. Ça fait, je vais dire que l'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, les maths, qu'on a dit, deux équations à deux inconnues. Maintenant, d'abord, deux équations, maintenant, il y a plus de deux inconnus. Maintenant, l'inconnu K et L. Puis, on a dit, maintenant, le K et L. Maintenant, je vais faire le K. Donc, je vais dire, donc, on a dit, on a fait les mathématiques, on a deux équations. La première équation, on doit dégager K en fonction de L pour remplacer K dans la deuxième équation. Ou qu'on a fait par la suite la valeur de L. Il y a une fois, on a fait la valeur de L. Le premier inconnu, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la valeur de L. Deuxième inconnu. Donc, je vais vous d'abord, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, la première ligne, on porte 2 minutes la première ligne. On bloque la deuxième ligne, on porte 2 minutes la première ligne, c'est le cas au cas en fonction de l'air. Et là, je vais vous dire, on simplifie, on met 2 avec 2, ça va mieux. On dit, maintenant, on porte K et L, ou peut-être K et L. Je vais vous dire, le cas est pour qu'on ait là. On dit, je vais vous dire, le cas, ou l'air, l'air. On arrive à ce que nous avons d'une manière intelligente, c'est notre chance d'intérêt. ديما كنمشيو نشوفو لا بويسونس اللي فيها كبيره بحال دابا انا ملي غنقول واش ال واش غادي نجمعهم فوق ولا لتحت من الاحسن اني نجمعهم لتحت كنمشي مع لا بويسونس كبيره هي فين كنجمعهم
غادي نجمعهم عند ليليمون اللي عنده اكبر بويسونس باش كومسا غادي تجينا اسهل في الكالكول بتجيكم ساهله نتوما في الكالكول باش تخدموها بلا ما ديروا دي فوت في الكالكول دونك ال غنجمعهم لتحت و ك عندنا الفوق ك على بويسونس 1 سور 2 ولتحت عندنا ك على بويسونس موان 1 سور 2 اذا من الاحسن انني نجمع ك الفوق دونك ال غنجمعهم لتحت و ك غادي نجمعهم الفوق وهنا باش بوغ فيغ سامبل دونك جينيرالمون ديما في الكالكول خصنا نجمعو كنجمعو ك تلقاهم كيتجمعو الفوق و ال كيتجمعو التحت سي بون دونك عندنا ك شوفو دابا مزيان ك على بيسونس 1 سور 2 موان عندنا موان ديال القاعده ملي كتكون عندنا اكس على بيسونس 1 سور اكس على بيسونس 1 كنجمعو اكس كتولي عندنا على بيسونس 1 موان 1 دونك عندنا موان ديال القاعده عاد عندنا الان لا بيسونس 1 فيها موان 1 سور 2 ردو البال مزيان دونك عندنا الموان ديال القاعده وعاد عندنا هنا لا بيسونس ان فيها الموان دونك عندنا موان افيك موان غتولي باغ سويت بلوس دونك عندنا لا بيسونس ان موان ان هي الموان ديال القاعده وعاد عندنا لا بيسونس ان ديجا فيها الموان صافي سور ال ال بغينا نجمعو من تحت دونك نفس الحاجه تستنى واحد على جوج ناقص ناقص واحد على جوج كتساوي هنا عندنا 10 على 5 هي جوج كنا على الزيرو ديما كنقيسو على 3 سي بون دابا شنو غادي ندير عندنا الموان مع الموان كتولي بلوس واحد على واحد ناقص ناقص واحد على جوج بلا واحد على جوج ناقص ناقص واحد على جوج وهي واحد على جوج زائد واحد على جوج دونك صافي 1 صافي 2 سور 2 دونك صافي 1 دونك كيتجمع هاد لا بويسونس دابا غادي نكتبو غير كاب على بيسونس 1 بقاش غنحسب لها 1 على 2 ناقص مع ناقص كتولي زائد اذا 1 على 2 زائد 1 على 2 هي 1 دونك تبقى عندنا كاب فوق وهنا نفس الحاجه 1 على 2 ناقص ناقص 1 على 2 دونك هي زائد كتولي عندنا ان كتساوي 2 في لا دوزيام لين عندنا ميل هذاك بيس ان بلوس 5 كاب سي بون دابا شنو غادي نديرو غادي نلقاو ك en fonction de L. غادي نطلعو L. دابا هنا فاسيلمون شنو غادي نديرو؟ غنطلعو L عند 2 ملي كنبغيو نبدلو حيدو هاد L ملي كتكون عندنا لا ميتيبليكاسيون ليكاليتي ولا عندنا لا ميتيبليكاسيون ملي كنبغيو نبدلو لوطخ كنبدلو لو كوتي شنو كنديرو؟ كنطلعو إلا كان تحت كنطلعو الفوق إلا كان الفوق كنزلو لتحت تو سامبلو دونك K إيكال 2 L لا دوزيام ليني عندنا مين est égal 10L plus K plus 5. D'abord, on va dire le prix d'abord K en fonction de L. Alors, je pense qu'il y a un problème. On a fait l'équation qui a deux inconnus. L'équation qui a deux inconnus, mais elle n'est pas solution. Maintenant, je vais vous coller la solution. Je vais vous coller la valeur des inconnus. Je vous donne d'abord le prix d'abord en fonction de L. On remplace dans la deuxième ligne, on remplace dans le cas 1. باش يولي عندنا في لا دوزيام ايكواسيون فيها ان بوني واحد اللي هو ال دونك فاسيلمون غادي نعرفو لا فالو ديالها كا ايكال دو ال دونك مي ايكال ديز ان بلوس 5 فوا دو ال دونك اون غومبلاسي بلاص كا درنا فيها دو ال دونك غادي يولي عندنا في لا دوزيام ايكواسيون مي ايكال ديز ان بلوس 5 فوا دو ال alors باش نعمل متخلوش دونك عندنا 5 فوا 2 ال هي 10 ال دونك غتولي عندنا 10 ال بلوس 10 ال صافي 20 ال صافي اي دونك عندنا ال تيتا شنو غادي نديرو غادي نزيدو هاد 20 عند 1000 تولي عندنا ال تيتا 1000 سور 20 تيتا اللي تولي عندنا هي 50 دونك لا فالور دو ال تيكال لقينا دابا الحل ديالها لانكونو ال هي 50 غادي نغومبلاسي عندنا كا تيكال دو ال دونك كا تيكال دو فوا ال اللي هي 50 دونك كا تيكال 100 دونك سي بون كيف دابا لا سوليسيون ديالي لقينا ال تيكال 50 كا تيكال 100 كنزيد واحد الكومونتير في ليكزامبل كنقولو تو سامبلومون ال ايطوال ايتيغال 50 كا ايطوال ايتيغال 100 اي لو شوا اوبتيمال
c'est le choix optimal qui maximise. C'est le choix optimal qui maximise le profit du producteur. Qui maximise le profit du producteur. Donc L étoile est égale 50, T étoile est égale 100. C'est le choix optimal qui maximise le profit du producteur. Donc j'espère que le futur est pas puissant. Parce qu'il y a les moments de le producteur. Donc prenez note. Parce que nous avons la question 4, déduire le niveau optimal, le niveau de production optimale. C'est bon, parce que nous cumulons. Alors, la question 4. Alors, on va prendre la bizarre. Donc, quand on a le choix optimal, le message est que nous avons le choix de la production optimale. Je ne peux pas dire. Dis maintenant la question de le choix optimal, on remplace L et K. On remplace L et K. Dans la fonction de production. La fonction de production. Alors toujours, je vais faire la quantité optimale, je vais faire F, elle dira que 4 c'est oui, K, 4 fois L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2. Donc il faut faire le prix médial L étoile, K étoile, on remplace, parce qu'on va faire la quantité de produit. Donc K fois L à la puissance 1 sur 2. Fois K à la puissance 1 sur 2. Donc on remplace le vertin de L étoile, K étoile. 4 fois L, il y a 50. 50 à la puissance 1 sur 2. K, il y a 100. 100 à la puissance 1 sur 2. Donc on fait le calcul. Je vous charge sur les noms. Donc 4 fois 50 à la puissance 1 sur 2. Fois 100 à la puissance 1 sur 2. Donc, on va déjà dire la quantité produite, il y a 200. La quantité produite, il y a 200. Je vais dire là. Je crois 282,84. Je crois qu'il y a les 84 de prise, donc 282,84. Donc, c'est la quantité optimale. L'isocompte est une isocompte, il y a la contrainte du budget, ou est une isocompte, la courbe d'indifférence. L'isocompte, il y a la représentation graphique, il y a les choix optimaux, ou les paniers qui procurent au producteur, ou les choix qui procurent au producteur le même niveau de production. La courbe d'indifférence négative, le consommateur. Consommateur, quand vous regardez les paniers, les quêtes, on a le même niveau d'utilité, là, parce qu'on a fait de la difficulté avec la production. Donc, on regarde les paniers, regarde les choix, et on regarde les combinaisons avec l'école, et on a le même niveau de production. Donc, on va faire une seule question pour les examens. La question 5. Les œufs. Donc, prenez note, les œufs représentent, ou est une représentation graphique, est une représentation graphique de toutes les combinaisons de L et K qui procurent
qui procure au producteur le même niveau. Actuellement, on va dire la définition des décevants est une représentation graphique de toutes les combinaisons de L et K qui procurent au producteur le même niveau de production. Alors, je vous d'abord la 6 et Mohim observe car la production représentait graphiquement les œuvres. Donc, maintenant, je l'ai Mohim observe l'examen. Donc, je vois très bien dire que je connais l'examen, la représentation graphique. Alors, je vais vous dire que je alors, je vais tracer les œuvres. Normalement, pour tracer les œuvres, on a besoin des étapes. Vous avez la réaction, je fais d'abord en même temps qu'il va se tracer les œufs. Et on va tracer d'abord les œufs, la question 6. On a les œufs. On tracer les œufs. On tracer le panier optimal, le choix optimal. Et par la suite, on trace les œufs. Parfait. Alors là, généralement, qui est maintenant L. Voilà. On est là. Il y a l'axe des abscisses de L, l'axe des ordonnées qui est maintenant l'axe de 2K. D'abord, pour tracer les deux courbes, je ne peux dire. On a comme sur les points extrêmes, les qui sont maintenant, on a qui sont maintenant le coup total à la P de L. La réponse est toujours plus simple. Toujours qu'on a le coup total, dit maintenant qu'il y a maintenant, il y a le coup total sur P de L. On a pris maintenant le coup total, il y a le coup total sur P de K. C'est bon. Quand on parle sur P de L, on a 1000, on a financé, dépendant, 1000 sur 10, on a 100. On a 1000 sur 5, on a 200. Donc 1000 sur 5, on a 200. Donc on a d'abord le point, on a 100. On a maintenant 200. Donc on a deux points. C'est-à-dire que tu as l'impression et tu as la représentation graphique des 10 euros, le choix optimal et les 2 points. Donc on a un autre exemple. Donc maintenant, on a quand même le point et le coup de passe sur P de L, on a quand même le coup de passe sur P de K. Donc je vais te dire d'abord, on relève entre les deux points. Avec l'exemple, 10 euros. Donc ça, on a d'abord 10 euros. C'est bon? D'abord, on a la représentation graphique de l'isopo. Il y a la contrainte de Koto. Alors ensuite, dans le bureau, on trace le choix optimal. Le choix optimal, est N étoile est égal 50, K étoile est égal 100. Donc, on va sur N, N, F, R, on va mettre le bois à 50, ou F, K, on va mettre le bois à 100. Et forcément, quand la pose un panier, donc, il y a forcément un panier ou un point qui est situé sur l'isopo. Donc, avec l'isopo, il y a des paniers qui ont le même budget. Donc, normalement, forcément, le choix optimal est là, qui a la contrainte du budget. Donc, il y a un compte qui est en train de faire la réponse d'un an. Le choix optimal va se faire parce qu'il y a graphiquement qui est le panier optimal. Il y a des coordonnées de L étoile et K étoile, c'est un point qui est ou là, qui est un point situé sur l'isopo. Donc, je vais dire d'abord tout simplement les œufs quand, par la courbe d'indifférence de l'énergie consommateur, car c'est moi une courbe. Car c'est moi une courbe. Regardez. Les quatre courbes décroissantes et convexes, et qui passent par le panier optimum. Donc, regardez les œufs quand. Vous dites, le panier optimum, le choix optimal, est un point d'intersection entre les œufs courbes et les œufs quand. Alors, je change les coûts et je fais la gare des poignées ou la gare des choix qui ont le même coût, le même budget. Ou elle n'a les comptes, gare des poignées et qui ont le même niveau de production. Donc, lorsque les quatre points d'intersection binaire, il y a le choix optimal. Elle dit L étoile, K étoile. Donc, c'est bon, il y a la représentation graphique des coûts, le choix optimal et les comptes. Donc, comme ça, ça limite l'exercice d'un à l'application. Donc prenez des notes maintenant de mon live. Sinon, Inch'Allah, la prochaine séance, donc Inch'Allah, la prochaine semaine, on les prépare
قبل نشوف على حسب لا ديسپونيبيليتي باش ان شاء الله نشوفوا اون اوتر ابليكاسيون في لو بروديكتور عاد بار لا سويت نشوفوا دي زيكزارسيس دي ابليكاسيون في لا لي ستركتور دو مارشي با كونكورونس بيغ بارفيت دو مونوبول ايتترا وتقدروا ميم طون راه عندي دي فيديو في لا شين يوتيوب مصعب فيديو راه ديجا فيهم دي فيديو ديال البروديكتور ديال les structures du marché, il y a la concurrence pure parfaite, etc. Donc on a déjà fini sur la chaîne YouTube, on s'arrête mieux, donc on trouve tout gros, et sur la chaîne YouTube. Donc c'est les petits bénis d'abord, les guides sont dans le cours. Je crois après 30 minutes, parce qu'on me donne le cours, via l'économie monétaire et store. Il y a quand même comme des questions, je trouve que je vais vous soit sur les commentaires ou en privé, parce qu'il y a quand même des questions liées. نقدر نجاوب عليهم غير في لي كومونتير ولا غير دي ميساج سينو الا ما كان خاصني نشرحهم نقدر ندير دي فيديو ولا دي لايف باش نجاوب على لي كيسيون ديالهم وهذا ليكزارسيس انا طال سويت غادي نصيفط لكم باش تكون متبعين معايا مزيان نصيفط لكم مي لونسي نصيفط لكم حتى كوريجي بيان ديتايي باش كوم سا تقدروا تتبعوا معايا لو كور لو موديل ديال لا ميكرو ايكونومي اس 2 دونك ان شاء الله الله يوفقكم دونك على لا بروشان سيونس ان شاء الله